Antonin André. A noter que les six ministres candidats gagnent leur pari. Christophe Castaner, Richard Ferrand, malgré les affaires, Bruno Le Maire, Annick Girardin, Mounir Majoubi et Marielle de Sarnez. Au Front National, on passe de 2 à 8 élus. Marine Le Pen entre au Palais Bourbon, ainsi que son compagnon Louis Alliot, mais aussi Ludovic Pajot, qui devient à 23 ans le plus jeune député de l'Assemblée. Écoutez ses premières impressions. Bah, c'est une immense reconnaissance envers les électeurs qui m'ont fait cette confiance de les représenter à l'Assemblée nationale. Puis après Marion Maréchal Le Pen qui a été la Benjamin lors de la précédente mandature, c'est moi apparemment qui serai le Benjamin pour cette mandature. Donc c'est une fois le Front National fait confiance à la jeunesse, puisqu'on a le plus jeune sénateur avec David Rachine et le plus jeune député à l'Assemblée. Ludovic Pajot, élu Front National dans le Pas-de-Calais au micro-européen de Lionel Gougelot.